Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, on se retrouve sur Far Changing Tides. Allô? On va remettre la chanterie au milieu d'Orlaïs! Ok, c'est bon. Ok. Alors. Ah oui, alors, il fallait que j'en remette du... bah oui, il fallait que j'en remette du carbu. C'était donc ça. D'accord. Oh là là. Voilà, oh la grosse dépliade là. Ah, c'est une mongole. Ah, oh, c'est trop stylax. Oh là là, c'est beau. Et du coup, on va voler. Oh non. Oh non, ce serait sublime. Ce serait sublime. Ce genre-là, les 7 sons de la zététique sautront et les 4 goupilles de l'apocalypse chevaucheront dans le chat, tout à fait. Du coup, ce jeu me tentait de fou, mais comme il se passe sous l'eau et que c'est ma phobie, est-ce que ça peut passer ou est-ce que je vais flipper? Je pense qu'en vrai, tu vas pas trop flipper, y a pas de truc extrêmement flippant par rapport à l'eau. Mais c'était sûr, en fait! Premier se passe en... sur le sol, je crois. Et tout à fait, tu peux jouer à Far Lone Sails, et c'est un char à voile et tu as très peu d'eau. Ça te fera une thérapie pour 15 fois. En fait, c'est là-haut, dans le... depuis le début, c'est ça. En fait, on était à Poitiers. Mais il y avait une raison. Il y avait une raison. C'est beau. Oh putain, c'est beau. Oh là là. Cette musique incroyable. Bon, c'est bien beau, mais je sais que ça va pas tenir très longtemps, cette connerie. Hein. Et du coup là pour avancer faut que je redéplie... Non mais je vais pas pouvoir déplier le mât, ça va pas marcher cette connerie là. Ça pourrait marcher vous pensez? Oh putain ça pourrait complètement marcher. J'ai eu tort de pas croire en moi. Je suis sûr que ça va fonctionner, j'y crois mort. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Comme le jeu est compris sur le Game Pass. Bah oui, non, mais faut essayer, hein. C'est la suite de The Long Dark. On est dans la Meurthe et Moselle. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. L'air est fluide comme l'eau. Tu pourrais utiliser aussi le moteur. C'est vrai que je peux aussi utiliser le moteur, mais là, visiblement, le moteur, il marche pas trop, là. Hein. Il est concentré sur la charge de la voile. Enfin, du balloon. Ce balloon. Par contre, je pense que si j'ai plus de carbu, je retombe, c'est ça? Is that what you want? Me to go back to my plane and go back to France? Si tu crois que c'est fini. Jamais! Ah, quel enfer! Le drame. C'est beau. Oh putain. J'ai bien envie de me remettre à Ori. Will of Wisp, mais j'ai commencé à l'eau. Que faire? Les deux? Les deux, Goodwin? L'avantage de la surpuissance du chômage et de l'intermittence. Réunis. Voilà, c'est beau. Hein. Par contre, je peux pas contrôler mon altitude. Ça, c'est un peu gênant, ça. Ça, c'est un peu problématique. Hein. Je vous emmerde, monsieur. Tout à fait. C'est du Garou et Renault. Ouais, grave. La mer, elle m'a prise sous le vent. Oh, quel enfer. Ah, ça y est, c'est fini. C'est fini, on retombe. Bah nous voilà bien. Ah non, il y a de l'eau. Le fameux tube. Oh bah oui. Ok, le truc se désengage tout seul. J'ai rien à dire. Bah salut. Hein. Ouf, au secours, au secours. Ah mais du coup, je continue, comme j'ai la voile, je continue à avancer, c'est ça le bail. Prends-moi comme tu prends la mer. Oh oui. Elle est technique celle-là. Moi au moins je ne m'en chie pas mes comptes dans une autre société. Ah bah je m'en chie pas mes comptes dans une autre société, hein, j'ai pas besoin de ça. Hein. J'ai vraiment pas besoin de ça. Hein. Mes activités sont purement légales, vous savez. Je facture... D'Aprili Consulting. D'Aprili Pierre Chevreuil et Associés. DPCA. Quoi dans une autre société? Bah voilà, je sais pas. J'ai pas besoin de me cacher derrière une société écran aux îles Caïmans, monsieur. Comte de Coudouin Fia. D'ailleurs, en ce qui concerne la défiscalisation, je vous trouve bien mal placé.
étant donné vos 600 hectares en Champagne. Domaine de Goudouin-Fir, hein. 12 rue de la Champagne à Épernay. L'argent pour seule ambition. Se cache derrière son écran, pas sa société écran. Votre société n'existe pas sur les comptes d'une autre. J'ai peut-être un mal. Ah oui, c'est vrai. Si, si, tout à fait. Enfin, elle n'existe. Ouais. C'est pas une société. Notre société, c'est pas une société à proprement parler. On est membre d'une coopérative qui héberge notre activité en tant qu'entrepreneur. Mais nous, on n'a pas de société en dur. Effectivement. Bien vu, Goodwin. J'avais pas la blague, mais elle était finement observée pourtant. Mais c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai cramé tout ce que j'avais là, donc je vais encore être obligé de m'y reprendre à la voile comme un gland. C'est pas pour du blanchiment d'argent, c'est pour des activités purement légales. Faut pas trop que je balance non plus. Non, tout à fait, parce que Monsieur Liant, attention, Monsieur Liant sera bientôt. Sera bientôt des nôtres, hein, comme on dit dans le milieu. On va foutre le. Ah, mais c'est là. Bah, ça y est, on arrive sur Terre là. Oh, la fin. Est-ce que c'est la fin? La VOD de 6 minutes, le démon. Ah non, c'est toujours de l'eau. Toujours de l'eau et ça bombe, hein. Peut-être calmer un peu le moteur là, garder le carbu qui me reste. Je vais regarder le sonar, tiens. Le sonar ne dit rien. Hein. Il a l'air d'avoir grand chose sous l'océan. Ah, il y a les trucs de Hardgrave Industries là, je sais plus quand c'était. Machin Hanson. Ericsson Hanson, je crois. Ah oui. Kunda! Ça y est, ça commence à connecter avec le 1. Alors que les 12 hectares que tu balances, j'ai beau chercher, ils n'existent pas. Oh oui, oui, non mais bien sûr, on en reparlera. Aucun rapport. Aucun rapport. On en reparlera quand il s'agira de faire la déclaration d'impôt de cette année. Ah, il faut que je mette, d'accord, la bibule. Oh, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas le moteur du 1, ça? Moi, ça me rappelle bien le moteur du 1. Ah ouais. C'est une caisse du 1. J'avais même pas fait gaffe. Ils vont refaire le coup du ballon, là? Aïe. Boîte matinale, j'ai mal. Ah! Oh merde! Ok, abort mission. Ah, ça a failli très mal se passer. Ah, c'est un phare. Laisse, fus. Ah, c'est un phare. Oh ouais, trop bien. La musique, incroyable. J'ai confondu les noms de genre d'une fourmi et le nom d'espèce d'un goéland. Moi j'y crois à mort, je suis sûr que à la fin, ça connecte avec la fin du 1. Yes, je le savais. C'est la plage du 1. Ah oui, j'avais pas vu le petit oiseau là-haut. C'est la plage du 1, je le savais. J'ai pas compris, elle est comment la musique? Elle est somptueuse. Elle est sublime. Elle est même plus sublime que celle de Airborne Kingdom. Ça, c'est une expérience, hein. J'y crois à mort. Merci Lara Fabien. Tout à fait. Je suis en train de me spoiler ces deux jeux de manière dégueulasse. Non, mais... C'est pas un spoil gigantesque non plus, hein. L'histoire elle tient sur un mouchoir de poche, hein. C'est une expérience qui se vit. C'est une expérience qui se vit plus qu'autre chose. Donc c'est pas grave, le spoil est relativement limité. C'est ok tiers. Ça veut vraiment dire que je vais devoir finir sur un petit Vampire Survivors. Ah putain, merde! Tuna! Aïe. Mais du coup, on va voir la... Tout a changé, là.
Pourrait y avoir un 3 en multi. Oh oui, bah sûrement oui. Ce serait assez énorme. Ah, putain, ça me perturbe de ouf du coup. Le leitmotiv du 1. Ah oui, c'est le leitmotiv du 1. Oh, c'est génial. Mais ce serait énorme, effectivement, que le 3 soit coop. Ce serait exceptionnel. Je sais pas si tu connais Lovers in Dangerous Space Time, ce principe-là en multi. Oui, je l'ai sur Switch, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Qu'est-ce qui fait un reflet là derrière? C'est la gourde? Non, c'est pas la cruche. Ah non, ça doit être les tournevis de mort. C'est beau. Enfin, c'est sublime. On va avoir le droit à un crédit incroyable. Je pense qu'avec une zik trop stylée. Sûrement le thème principal, avec une petite, petite variation comme dans le premier. Oh, c'est beau, putain, c'est beau. On voyage, qu'est-ce qu'on voyage? Par contre, j'ai encore du carbu là, c'est un peu la dèche, hein. C'est un peu la hesse. Il va falloir que je finisse à la voile. Hein. Remarquez, là, y a rien qui me cassera les couilles. Terre! Crame le cerf, non! Jamais, j'en ai déjà cramé assez. J'en ai déjà cramé vraiment assez. Ouais, donc du coup, t'as pas tous les modules, hein. Tu finis qu'avec 3 des 5. Et du coup, ça veut dire que le truc en bas, là, qu'on voit ici, ça sert à rien. Calme-toi, Yann Artis Verprand. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est génial. Putain, c'est génial. Je vais remettre la voile. Hein. Je vais faire classico. Classique, solide. Je vais le faire à l'ancienne. Bon, il y a du vent là. Le jeu est pas facétieux avec moi, il y a du vent. Par contre, on voit plus rien là. C'est chiant. Bon, il y a du vent, mais ça avance pas trop. Hein. Oh, ça avance à deux alors. Ça avance pas en fait, mais pas du tout. Ou alors il faut que j'y aille à la nage. Is that what you want? Oh non, ça serait gros quand même. Si? Peut-être, hein, je sais pas. Ça me paraît peut-être loin, mais... Ah si, ça avance un peu. Très lentement, mais ça avance. Contemplez cette magnifique musique. Unit se taire, non. Je ne brûlerai pas le cerf. Et bonsoir, capitaine. Yo, Sweep, comment vas-tu? Bon, ça va finir sur Vampire Survivor, c'est connerie. Et ça avance pas des masses, quand même. Hein. Non, mais j'ai pas envie de cramer le cerf, là. Bien, toi, ça roule. Tranquille. On approche de la fin du jeu, là. J'ai pas... Ah, mais je sais ce que je peux cramer. Yes! En fait, faut peut-être que je sorte, hein, tout simplement. Si tu vas à la nage, tu vas sauver la personne, du coup. Bah, sûrement, oui, mais là, je pense que je vais la sauver aussi. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Il fallait un bon coup de pression, en fait. Il fallait un petit coup de presse. Ah, ça y est. C'était... Oh, putain, il me manquait 3 mètres. Hein. Yes, yes, yes! Oh, oui! Trop bien! Je le savais! J'en ai rêvé! J'ai voulu y croire! Et du coup, on récupère Lone, donc le personnage du premier, premier opus. Je crois que le premier se terminait là-dessus. L'arrivée, on l'a prédit, mais oui! Du coup, elle enlève son chapeau, on voit enfin sa trogne. On avait raison. Oh non, ça finit sur la musique du Capitaine Igloo. Ça, c'est le fashion faux pas, par contre. Trop mimes, grave. Beaucoup trop mimes.
musique du Captain Igloo, par contre, elle est moins mimes. Hein. Ça, c'est un sacré délire, ça. Putain, votre service de taxi, c'est long quand même. Il a appelé il y a 2 heures, le Uber. Ok, j'ai rien dit, elle est super en fait. Tu fais des enfants violés sur elle. Tu bleus, je sais pas. Ça a bouchonné 10 ans sur la 4. Il est far away, oh ouais. Putain, j'ai envie de me refaire le 1 du coup. Je retire tout ce que je dis sur la musique du Captain Igloo, elle est incroyable. Hein. C'est beau, c'est beau. Allez, on enchaîne. Ah non, 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 non. Non, non, j'ai pas le courage. Igloo in love. Ah, c'est beau, putain! Qu'est-ce que j'aime ces jeux, bordel! Qu'est-ce que j'aime ces jeux, putain de merde! Et là, drama, il rip sur l'icône de Dark Souls et First Strike Afra. Bonjour, coucou Baro, comment vas-tu? Et on repart. Non, non, il est désinstallé. Bien, ouais, je les mec, mais grave! Celui qui lit ça est un con. Eh bien, je suis un con. Ah, c'est beau, putain, mais qu'est-ce que c'est beau! On fait un call-off maintenant. Merci Don Schmoker pour... Ah mais non mais c'est en français là, mais je vais pas pouvoir mal traduire. Merci Don Schmoker et Goran et Philippe et Fabio et Martina. Remettez-nous de la musique là par contre, ça va être un peu tristoun sinon. Et Michael, comme dans le premier, c'était trop beau. C'est en Suisse, exactement. Merci Tim, Tim Burge. Tim Burger. Merci Théodora. Dimova pour le graphisme des décors. Merci Isabelle Roche pour la programmation du système. Merci Harry. Oh, il y a un petit after credits comme ça, du coup. T'as fini le sous-marin, du coup, bah à l'instant. Elle monte sur le bateau, sur l'artwork. Je suis fan, mais oui. L'épilogue en splash art. C'est beau. Merci Joël Choche pour la musique. Et merci David et Joe et Anna et Philippe. Et Anina et Anatole et Rosanna pour l'instru. C'était magnifique. Vous avez géré de ouf. Oh, c'est beau, c'est beau. Ah mais du coup, oui, voilà, elle remet l'arrière du truc. Je joue Big Love sur Twitter, musique de dingo, mais grave. Perso du premier frimeur. Quelle cause. Je crois que les musiciens étaient allemands. C'est des Suisses germanophones. Et du coup, ils ont mis le truc à l'arrière. Oh là là. Elle remet l'arrière au milieu du... Non, du véhicule, tout à fait. Il fait chaud dans la maison. 1940, sucé allemand, c'est pareil, intérêt. Arrêtez, arrêtez de pourrir ce beau moment. Je trouve que le générique du 2 est beaucoup moins marquant que le premier. Le premier, il y avait petite reprise du thème principal avec aussi des artworks, c'était très beau. T'as augmenté le temps entre les commandes, je sais plus. Taisez-vous. Captain Igloo là, Captain d'Aprigloo là. Merci à Jessica et à Kato. Putain, j'avais même pas envie de disrespect le jeu en lisant mal le truc, mais merci à Tom et à Elisa et à Tamara et à Nikolai, évidemment. Pour faire un au fait du 1, il faut regarder les crédits jusqu'au bout. Bon, on va les regarder jusqu'au bout là, c'est important. Ça manque d'une belle musique pleine de violon pour nous laisser sur la fin de une fin de folie, c'est ça. C'est la sœur de Jason, tout à fait. Merci à Dave, et à Nick, et à Jim, et à Thomas. Et à Mathieu, et à Phil, et à Sam, et à Philippe. Sur ces choupineries, je vous laisse les loulous. Ce fut un plaisir de me spoiler la face. Des bisous, mon Johnny, merci beaucoup d'être venu. Et la bonne nuit, et saucisse sur toi, évidemment. Merci beaucoup d'être venu. Et le frère de Lara, décidément, mais c'est beau. Hein. Merci Laura, et Colin, et Tom, et Catherine. Et James, et Henry, et Phil, et Harry, et Malek, et Callum, et Christopher, et Luc, et Thomas, et Eden, et Oli, et James, et Stanislav, et Yane, et Douglas, et Ed, et Jack. On n'oublie pas James, ni Peter, ni Mike d'ailleurs, et surtout pas Joler. En plus, c'est saucisse à tous. Des bisous, mon Johnny. Il y a même la rhum de Tamardi. La baisse quoi. Merci Elise et Sean et Phil et Daniel et Anthony et Thomas et Svitlana
et Antonino, et Dominique, et Jack, et Nicolas, et Sarah, et Amish, putain, et Tobias, et Liam, et Marc. La fan est longue, mais j'aime bien, dilemme terrible. Le frère d'Emma aussi. Putain, j'ai pas regardé les noms de famille, mais il devait y avoir des... Du Watson et du Hardy à l'infini. Et Rusty le clown évidemment, et Joe, et James, et Nathalie, et Andrew, et Michael, et Daniel, et Ellis. Ah oui, effectivement, il y a le frère de Emma Watson, tout à fait. Et Catherine, et Chad, et Dan, on n'oublie pas Oli et Fran, et Chris de la compta. Ah non, c'est responsable RP. Responsable de l'ERP. Merci les connards. Allez, jeu suivant, la capitalisme, Jeff. On va faire un petit... la sorte Harry Potter. Fils de Neil. Merci Steve, hein, et Stephen. Steven, et Dahlia, et Allison, et Griff, et Richard, et Catherine, et George. Évidemment, n'oublie pas Samantha. Merci Michael. Le frère de Peter. Hein? Merci à Joshua et à Nuno. Nuno Constantia, Frederico, et Luc, et Josh, et Sam. Évidemment. Évidemment. C'est beau, putain, c'est beau. Quel jeu. Quel jeu incroyable. Quel Lewis y a ton daron. Et Vince, et Tom, évidemment, et Dan, merci à Jessica. Quel jeu, putain, mais quel jeu incroyable. Expérience à vivre, même si vous êtes spoilé à la fin, je vous le recommande chaudement, c'est magnifique. C'est magnifique à jouer, ça tombe sous la main, c'est super. Très très fun, et très beau. Charlie, merci à James, hein, et à Samantha, et à Josh, et à Anna, et à Joe, et à Chris. Très très beau, très belle scéno, DA magnifique, la musique incroyable. Le gameplay très très cool, un peu plus exigeant que celui du premier, la durée de vie est plus correcte que celui du premier. Merci à Roland et à Mike, mais après la durée de vie c'est pas grave, hein. Même si le premier faisait que 4 heures, tu le défonces et tu peux le refaire 3 ou 4 fois sans problème. Merci José, merci Kéré, avec des énigmes un petit peu plus dures que celles du premier d'ailleurs. Je pensais pas un jour trouver un jeu qui dépasse Journey en termes de claque dans tes émotions. Eh bien, c'est chose faite. Putain, mais quand moi j'avais découvert ce jeu à la base. Merci Kerry, merci James, merci Emma, merci Taylee, merci Alic, merci Zach, Tony, Démétri, Cathy, John, Chris, James, Michael, Bohua et Francesca et Francesco. Mais ouais, non, franchement, la première, quand j'avais découvert le premier, moi j'avais vraiment pris une grosse claque dans la gueule, c'était magnifique. Merci à Elena. Stéphane Rip, ton fils est la Samantha Cox. Je dis rien trop peur du ban. Merci production, merci chargé, merci chef, tout à fait. Merci Alex, hein, merci Mathieu, merci Ahmed, merci Larissa, et Elisa, et Justina, Justin Deep and Top, et Oswald, et Carlos, et Maria, et Sonia, et Yuri, et Daria, et Sora, et Shin, et Shenshu, et Florent, et Sander, et Lucas, Marcin, et Mayur. Mayournaise. Et Jaroslav. Et Conrad. Ah, Conrad Werner, le fan dans Mass Effect. Merci à Natalia et à Christiane. Et à Massiech. Et à Yacoub. Et à Patrick. Et à Elgun. Elgun. Oh putain, ça je m'y attendais pas. Et à Piotr. Et à. Oh putain. Chris. À Christophe, oui. Putain, c'était pas clair ça. Et Massiège. Et Piotr. Et Bartosz, évidemment. Martina, Ivana, Hubert, Camille, Ariel, David, Piotr, Daniel, Bartosz, Grachan et Sébastien, évidemment. Et je remercie qu'il y a un mec là. Merci Carlos, Enrique Morales, Farado. Oh putain, la mayonnaise a pris tout à fait Piotr. Merci Liselotte et David, et David, et Brian, et Spiros, et David, et Oussama. Quel beau jeu, putain. Quel beau jeu, putain. Spiros le dragon, c'est ça. Sans que les tests, ça coûte moins cher de les faire faire à l'est de l'Europe. Non, c'est parce que je crois que le studio, il est... Enfin, le studio, il est suisse. Et après, le... Je crois que l'éditeur, il est... tchèque ou polonais, je sais plus. Ou Samaba là-bas. Tout à fait. Ah, ils ont mis la SIL Open Font. C'est pour quelle fonte? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe à quelle police d'écriture c'était. Tant pour moi, mon mauvais. Non, c'est le studio de dev qui est... Enfin, c'est pas le studio de dev, mais c'est l'éditeur qui est... Qui est allemand avec des... Allemand ou polonais, je sais plus. Katowice, c'est Pologne, du coup, tout à fait. Merci OpenFont aussi, tout à fait. Merci FontSquirrel.
C'est beau, putain. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh putain, la vache. C'était marqué équipe de Katowice. D'accord, ok. Eh bah, c'était une très belle aventure. C'était ASMR bord de mer, ouais, grave. Des bisous, YouTube. Merci pour d'avoir regardé cette aventure incroyable. Quel plaisir. Quel plaisir. Des bisous. À la prochaine.